Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Vous n'êtes pas sans le savoir, dans quelques jours ce sera la fête de la musique, c'est ce rendez-vous annuel instauré par Jack Lang il y a maintenant 35 ans. Eh bien moi je vous propose les fêtes de la musique, les fêtes de la musique classique. On va commencer par les fêtes de Rome de Ottorino Respighi, Respighi dont on connaît surtout les pins de Rome, les fontaines de Rome, mais il a aussi composé les fêtes de Rome. Voici parmi ces fêtes de Rome la Befana par l'orchestre symphonique de Pittsburgh placé sous la direction de Lorin Maazel. Thank you.
entendre un extrait des Fêtes de Rome de Respighi, un extrait qui s'appelle La Befana. On poursuit avec du Brahms, avec son ouverture pour une fête académique. L'Orchestre Philharmonique Tchèque est placé sous la direction de Jiří Berlolavec. Thank you.
êtes toujours sur RVL, sur 103.1. Nous venons d'entendre l'ouverture pour une fête académique de Brahms. Et nous allons poursuivre cette émission consacrée aux fêtes de la musique classique, à l'occasion de la fête de la musique qui aura lieu dans quelques jours, avec une œuvre de Gustave Charpentier. Gustave Charpentier, c'est un compositeur français né en 1860, qui est surtout connu pour un opéra qu'il a créé en 1900 et qui s'appelait Louise. Mais Gustave Charpentier, avant d'avoir ce succès avec Louise, a été l'élève de Massenet. Il a même obtenu le prix de Rome en 1887 et c'est lors de son séjour à Rome qu'il a composé l'œuvre que je vous propose d'entendre à présent, qui s'appelle La Fête des Myrtes. Elle nous est interprétée par le chœur de la radio flamande, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, l'ensemble placé sous la direction de Hervé Niquet.
Vous venez d'entendre la fête des myrtes de Gustave Charpentier. Gustave Charpentier était tout à fait préoccupé par les questions sociales. Il a même fondé, c'est assez amusant, le conservatoire populaire Mimi Pinson pour permettre à des personnes qu'on appellerait de nos jours défavorisées, en tout cas issues de milieux populaires, d'avoir accès à l'enseignement musical. Je ne sais pas si c'était la préoccupation de Georges Frédéric Händel. En tout cas, voici les Feux d'artifice royaux, une œuvre de 1749 de Händel. Voici l'ouverture des Feux d'artifice royaux de Händel. Cette œuvre a été créée à l'occasion des festivités organisées pour célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle. Pour l'anecdote, il y avait tellement de monde lors des répétitions de cette œuvre dans les rues de Londres qu'il y a eu un embouteillage monstre de carrosses, et je crois qu'il y avait aux alentours de 12 000 spectateurs qui se ruaient dans les rues pour écouter la musique de Händel. Et lors de la première, lors de l'unique représentation de l'époque en tout cas, avec le spectacle pyrotechnique, il y a eu un incendie, ce qui est toujours un risque à prendre quand on organise des feux d'artifice. Voici donc les feux d'artifice royaux de Händel en cette fête de la musique, l'ouverture des feux d'artifice royaux de Händel par le Concert des Nations, placé sous la baguette de Jordi Savall. Thank you.
Voilà, nous venons d'entendre les feux d'artifice royaux de Handel et nous poursuivons cette émission consacrée aux fêtes de la musique classique avec une fête d'un genre tout particulier, c'est une bacchanale. Une bacchanale composée en 1956 par Jacques Ibert. Elle nous est interprétée par Charles Dutoit qui dirige l'Orchestre symphonique de Montréal.
C'était la Bacchanale de Jacques Ibert. On continue avec un bal, un extrait de la Symphonie Fantastique de Hector Berlioz, toujours dans le cadre de cette émission consacrée aux fêtes de la musique classique. C'est Otto Klemperer qui dirige l'orchestre Philharmonia.
Vous êtes toujours sur Radio Classique 103.1. Dans le cadre de cette émission Les Fêtes de la musique classique, je vous ai proposé un bal de Hector Berlioz, puisqu'on danse quand on fait la fête. Voici une autre fête, une fête signée Ludwig van Beethoven. C'est un morceau peu joué, très très peu joué, qui s'appelle Zur Namensfeier. C'est une ouverture pour orchestre qui a été composée en 1815. Le titre français, on le traduit par Jour de fête. Ça a été composé pour la fête de l'empereur François Ier. Ça a été joué pour la première fois en décembre 1815, l'empereur François Ier d'Autriche, bien évidemment, je vous propose donc d'entendre cette œuvre immédiatement dans l'interprétation du Nikolaos Esterhazy Symphonia que dirige Béla Draos.
C'était Tournamentsfeier, autrement dit jour de fête, une ouverture pour orchestre de Ludwig van Beethoven. Et nous allons terminer cette émission consacrée aux fêtes dans la musique classique avec une fête bien particulière, c'est le carnaval. C'est une ouverture de Antonín Dvořák. Elle fait partie d'un triptyque qui s'appelait Nature, Vie et Amour. Il a fini par publier les trois fragments de ce triptyque en ouverture séparée. Voici donc Carnaval. C'est une œuvre qui date de 1891. Elle nous est interprétée par le London Philharmonic Orchestra, placée sous la direction de James Conlon. Je vais vous laisser donc en compagnie de Antonín Dvořák et je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne semaine, et vous donner rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. À dimanche. Thank you.
Thank you.